un second site du nord de la Seine-et-Marne. On est encore dans des sables, me semble-t-il qu'on est toujours dans du bartonien, à vérifier. Là, en l'occurrence, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus riche. On a différentes strates qui sont fossilifères. On ne retrouve pas forcément les mêmes fossiles d'une strate à une autre, malgré que dans le temps géologique, c'est très rapproché. Simon nous a trouvé une jolie petite dent de requin. Et donc c'est assez prometteur pour l'avenir. Voilà. Voilà. Et c'est en bas. Là on est en haut. Là on est à côté justement en plus d'une chose assez sympathique. Ça c'est des fondations d'une maison gauloise. Donc là on est parti, on voit un dallage qui est en place qui commence à se casser la figure. Ouais. Et dans la seconde partie de la carrière, on retrouve encore trois autres points de ces fondations. Il n'y en a pas autre part. On le voit, de toute façon. Voilà. Oula. Par contre, c'est que du sable. Ça casse-gueule. Voilà. Et y a un beau paysage. C'est... Ça va, en plus c'est calme sans les avions. Ça fait du bien. Quelques-uns, mais ils sont ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Dis-moi. Les alentours, tu peux expliquer un petit peu les alentours? Après là, ce qu'on peut dire, c'est que dans cette partie-là de notre région, on retrouve aussi beaucoup de vestiges, donc gaulois comme on peut le voir là, mais aussi gallo-romains. Il y a eu quelques villages et villas d'ailleurs qui ont été découvertes à certains points tout autour de nous là. Et on a même des traces d'outils préhistoriques. Ça on en reparlera cet automne lors de prochaines fouilles. Et donc il y a tout à gagner à prospecter dans ce coin. Oui, parce que. C'est sur les champs, et les champs sont semés. Bon, on verra cet automne. Voilà. Bon, bah voilà. Bah là, bientôt, c'est la fin. Bah là, ça y est, on va prendre le retour. On va... Il y a une bestiole sur moi, là. Le soleil est couchant, donc... Ouais. C'est fini de l'après-midi. Pratique, parce qu'on a trouvé comme beaucoup de belles choses. Bah, on va aller voir. C'est en bas. Ça nous donne des bonnes perspectives pour l'avenir, car par la suite, on fera d'autres sites, hein, forcément. Mais il est certain qu'on reviendra ici. Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Là, on est bien. Bah voilà, comme il a dit, première dent de requin. Alors, je coupe juste la vidéo pour vous dire juste un instant voilà, que je suis en plein nettoyage. Je suis en plein nettoyage des fossiles que j'ai trouvés avec Sylvain. Du coup, voilà, bon. Pour tout simplement dire que. En nettoyant, comme c'est un travail assez minutieux, on va dire. Du coup, voilà, je le fais avec cette petite, on va dire, spatule, voilà, pour voir un peu tout ce qu'il y a comme détail, parce qu'il y a des petits coquillages qui peuvent se cacher dans d'autres. Par exemple, voilà, pourquoi je coupe cette vidéo, tout simplement parce que dans ce coquillage que vous pouvez voir, voilà ce que j'ai trouvé dans ce coquillage. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, si on le voit un peu. Voilà. Voilà cet objet que je viens de trouver qui a l'air pas mal brillant. Tout simplement. Alors moi je pense que soit c'est une pince ou un os, j'en sais rien. Franchement je n'en sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà. Je pense que c'est une pince, ça y ressemble, petite pince, qui se trouvait dans ce coquillage, voilà. Qui se trouvait dans ce coquillage, et voilà ce que se cachait ce petit élément. Du coup, voilà, je vais demander à Sylvain, de m'en dire un peu plus, s'il sait, hein, bien sûr, et voilà. Et du coup, je vous dirai
dans la vidéo le nom de cet objet, ou peut-être pas, je ne sais pas, on verra bien. Je vous laisse continuer la vidéo. J'ai trouvé une autre dent, bah, je te la montrerai ma dent, elle est sur YouTube d'ailleurs. D'accord. Je trouve, bah, c'est une dent de crocodile, hein, je crois, je l'ai trouvé au Marne, et là maintenant là, voilà. Ça se tout à l'heure, depuis le temps que j'essaye d'avoir une dent de requin, bon elle est un petit peu cassée mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va la voir juste en bas. Ouais, ouais. Mais c'était mouvementé au départ avec les problèmes de grève. Ah bah malheureusement la SNCF nous a pas trop aidé là-dessus, mais bon ça. Mais ça va. On a su gérer la chose. Voilà. Mais c'était court quand même. Moi j'aurais. C'était court mais. Et voilà, on va descendre. Il y a différentes techniques pour descendre. Ouais. On a la technique du sauvage. Ouais. Comme toi. Il vas-y. Ressemble un peu à des choses. Il faut surtout jamais faire. Ouais, ça il faut pas le faire. Ça faut pas le faire. Ça faut pas faire. Moi je descends à la méthode. Ça glisse. Ça va là où je vais, c'est du sable. Enfin, il y a de. Il y a un peu d'herbe. Voilà. Et voilà. Bon, alors. Bah, t'as déjà rebouché tout toi. Bah ouais. Oh là là. Forcément. Ouais, y avait quelques bobivals, mais on refera des photos par la suite. On verra plus grand chose. Ouais, bah tu m'enverras quelques. Parce que j'avais des choses trop fragiles, donc j'ai préféré tout de suite enfermer ça proprement. Ouais. Bah tu me montreras ça en photo. Et là t'as trouvé à peu près les mêmes choses. Voir un peu plus quand même. Voilà. Donc ouais, il y a des choses assez sympathiques. On voit du coquillage assez gros. Où est la dent? Je l'ai vu. Je me rappelle plus où je l'ai mis. Voilà la petite dent. Alors il manque un petit morceau. Voilà de la racine là, de ce côté là. Voilà, mais il y a la belle pointe. Et vraiment elle est très jolie. On voit bien les stries dessus. On tire un peu le sable pour que ce soit plus joli. Ah, elle est vachement belle. Voilà, elle est vraiment très même jolie. Quand je l'avais pas vu comme ça de ce côté, tu vois. Donc là on voit bien quand même le. Ça peut être ce côté incurvé qu'elle a. Ouais. Ah elle est jolie. Non, c'est une belle juste c'est la racine qui très, très jolie. Ouais, il y a un côté, ou... mais c'est pas grave. Je pense que ça n'empêchera pas de pouvoir la. Parce qu'on regarde, on voit même bien la petite dent là sur le côté. Ouais. Je sais pas si on la voit sur la vidéo, mais. Ah elle est jolie. Donc un petit coup de nettoyage et puis regarder de plus près qu'est-ce que ça pourrait être quoi. Bon c'est déjà une belle bête hein. Là on a un bon 2-3 mètres peut-être. Ouais. Voilà. Hop, on a vraiment trouvé. Voilà, et du gros. Gastéropode. Voilà. Du gros gastéropode. Il y a un peu de tout, on verra ça tout ça au nettoyage. Ça on montre ça en photo. Ouais, le petit chantier. Le petit chantier. Alors, voilà mon côté. Le chantier, bon là, il est un peu rebouché. Hein. On se sert du tamis. Alors, moi, je me suis servi de la pelle. Hein. Voilà. Sylvain, lui, il a pris le matériel un peu plus professionnel. Ouais, le petit de géologue. Voilà. Et le petit ami. Le petit ami qui est derrière, avec une petite griffe de jardinier. Voilà, pour rester simple. Bon, par contre, la maille était peut-être un peu faible pour ce qu'on avait à faire aujourd'hui. Au prochain coup, on prendra de la maille un peu plus grosse. Ouais, mais avec la dent, je suis pas sûr que par contre ça passe. Je risque de louper certaines choses. À essayer. Et voilà, tout le massacre qu'il a fait là. Oh là là. Ouais. C'est rebouché. Et encore c'est rebouché. Non et voilà, on va le montrer un peu plus comme ça pour voir un peu ce que ça donne. Ouais bah voilà. On peut voir, c'est bon. Alors on t'entendra pas là. Là il y a cette couche là qui respirer. Ouais. Bah en fait il y a plusieurs couches. Hein. Il y a un peu l'autre couche, elle est un peu plus haut là. On la voit à peu près. En dessous la couche orange. C'est les deux endroits qui payent le plus ce reste. Non mais comme dit Sylvain, il y a plusieurs couches, il y a la couche d'en bas, celle qu'on a principalement fouillée en tout cas, que moi j'ai fouillé sur le côté là-bas. Il est un peu monté en haut, il a un peu fait descendre des gros modules. Gratouillé. Voilà. Et voilà. Et là, c'est là où on était. C'est là où il y a les maisons gauloises. Gauloise. Ouais, gauloises, qui étaient juste là. Et de l'autre côté, on n'a pas fait du coup. Là, il y a quelque chose à ton avis ou pas? Si. Moi, j'ai fait des belles trouvailles ici. Ah ouais? On a creusé là-bas. Parce que tu vois, on voit à droite. Hein.
Ouais. Ici, on a creusé pas mal, on a retrouvé des gastéropodes dans le bon état quand même. Ouais. Et bon, après, ça de toute façon, c'est la même chose que le côté, pratiquement. Plus ou moins. Regarde-toi, si on regarde, on prend rien qu'en marchant, on trouve des beautés, toi. Ouais, il est joli celui-là. Ouais, donc ça, on va rajouter dans la caisse. En fait, on pourrait pas s'arrêter, hein, tout simplement. Là, je pourrais continuer jusqu'à ce qu'il fasse nuit, hein, tout simplement. Voilà. Et donc là, bah, tous ces cailloux, donc c'est des éboulis de fondation de maison gaudoise. Ouais, il y en a une autre en haut. On trouve ça ici, là. Là, voilà. Alors, là, il y en a une autre. Là. Ah, il montre. Et là, il y en a encore une petite, mais celle-là, elle est assez étonnante parce que on voit qu'elle a déjà été remblayée entre temps. Ouais. Alors là. Parce que c'était. Mais c'est bizarre, t'as vu en plus. En plus, c'est de la caillasse un peu bizarre. Alors là, il y a du grès, c'est ça qui est étonnant. Il n'y a pas du grès partout, mais il y a quelques morceaux de grès. Et après, il y a beaucoup de calcaire. Et ce calcaire, il est très fossilifère parce qu'il y a beaucoup d'empreintes dessus. Ouais, c'est vrai qu'ils ont travaillé directement dans la roche. Ils ont récupéré ça dans les alentours. Et puis, du coup, ils ont trouvé un peu de silex parfois. Dans les alentours, normalement, il devrait y avoir la carrière. Et je sais qu'ici, il y a une semaine, de la poterie avait été trouvée à cet endroit-là. Ah, il y a une semaine ? Ouais. Wow. Poterie gauloise. Et j'ai pu voir un morceau, non ? J'ai pu voir un morceau en montée. Non, bah non. J'avais cru. C'est dommage qu'il n'y ait pas de pot. T'imagines, tu trouves un pot ? Ah, ça serait excellent. Bah là, c'est bon. Par contre. Ouais, là. Bah, comme vous voyez, voilà. Hein, le soleil il est là. Ouais. Donc ça veut dire à la soupe. Ouais. Bon, moi j'ai le temps, mais j'espère qu'il va y avoir des transports. Ouais, bah c'est pas ça, faut pas qu'on traîne non plus. Et bah du coup, j'espère à une prochaine vidéo. Hein. Bah ouais, carrément, avec grand plaisir de se retrouver à nouveau. Et même si c'est difficile avec les horaires et tout, ça sera sans problème. Voilà. Bah, depuis un moment, on a décidé de. Ça y est, on a réussi quand même. On a réussi à le faire. Et voilà. Alors, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère. Ouais. Lâche pas parce que j'ai que des. Ouais, j'ai que des fossiles là. C'est fini là. Je peux pas. Sinon, je les jette. Allez. Allez à la prochaine. Ciao. Salut. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, voilà, la mer, je suis à Villers, voilà, tout simplement pour une petite recherche de fossiles aux vaches noires, hein. Ça faisait un moment où j'étais pas allé aux vaches noires, alors excusez-moi, parce que je pense qu'il va y avoir le bruit du vent et le bruit des vagues, hein, certainement, voilà, j'espère qu'on va m'entendre, si c'est pas le cas, bah, je serai un peu dans la mouise, mais bon, on verra. Ben voilà, aujourd'hui je suis au Vache Noire, ça faisait un petit moment, et je suis accompagné de quelqu'un.